Sur le port de commerce de Dieppe. Thomas fait quelques petites photos de nos bolides. Du coup, je viens t'emmerder, mais... Je t'en prie, t'inquiète. Petit débrief. Alors, ta voiture, penses-tu toujours que c'est un daily parfait? Je m'y suis habitué. J'ai pas mal au dos alors qu'on a fait plus de 100 km. D'accord. Donc, personnellement, j'ai l'intime conviction que, ouais, c'est vraiment la familiale parfaite. Surtout que, tu vois, elle s'offile à peu près partout. Tu oublies vraiment qu'elle a un rayon de braquage ridicule? Oui, effectivement, je l'oublie. Sinon, moi, mon 3008, il consomme pas beaucoup. Là, en tirant un petit peu, je suis à 7 litres et quelques, tandis que lui est à quasiment 10 litres tout le temps, quoi qu'il fasse. Alors par contre, ce que je peux peut-être vous faire, c'est vous montrer l'intérieur du véhicule. On part du coup sur la finition la plus haute, mais ça, vous le savez, vous avez l'habitude. Avec du coup, ces sièges cuir Alcantara surpiqué couleur cuivre. Donc j'ai les sièges massants, réglables électriquement. Le cockpit est vraiment, vraiment très joli. Et alors, donc je vais mettre le contact. Hop. Donc niveau application de véhicule, donc on a un petit peu tout. Alors comment ça marche? Voilà, donc on a aide de maintien dans la voie, ce qui en fait une voiture semi-autonome. On a plein de choses formidables. Le GPS Peugeot qui marche bien, mais moi je branche mon téléphone grâce à Android Auto. Du coup je peux utiliser Waze avec l'avertisseur de radar et ainsi de suite. En ce qui concerne l'audio, et ben on peut directement accéder à Spotify ou à Google Music. On peut donc accéder à mes playlists avec une qualité audio vraiment excellente. Alors là, on vient de finir de manger, on est toujours à Dieppe, hein, et truc étonnant, c'est que on n'arrive plus à démarrer l'appart. C'est-à-dire, on met la clé dedans et il se passe strictement rien. On peut même pas tourner la clé. Ouais, c'est comme si le Neyman était bloqué. Le volant est vraiment verrouillé. Oui, bonjour ou rebonjour, je sais pas si c'est vous que j'ai eu tout à l'heure. On a un véhicule de presse là actuellement, une Abarth 595, sauf qu'elle ne veut plus redémarrer. C'est la quatrième fois que j'appelle. Je suis sûr elle va encore nous repasser la même personne. Qui ne répond pas, évidemment. Pas drôle sinon. Ça change de musique. 20 minutes later. Je m'ennuie. Ça y est, moi aussi. Oui, bonjour. La barre de 595 Pista, qui ne veut plus redémarrer. Oui, bonjour. Mais le souci, c'est que je ne parviens plus à redémarrer le véhicule. Tu es content de ta voiture? Ouais, 3 minutes est mieux. Hein. Oui, voilà, il a dit oui. Hein? Hein, mon grand? T'es en panne, toi? Bon alors là en gros ce qui vient de se passer c'est que ça fait 10 minutes qu'on attend. Thomas est monté dans sa voiture, il s'est dit bon bah, je vais essayer de tourner la clé une dernière fois avant que le dépanneur arrive hein, pour voir. Et là qu'est-ce qui se passe? La voiture démarre au quart de tour. Puis elle marche très bien en fait. Faut nous expliquer. Du coup je crois que je vais conserver mes points d'avance. Démarre pour voir. Ouais. Nickel, super. On est au premier défi, je te laisse tirer le premier dans la petite pochette PDLV. Sur Dodan, le confort, tu jugeras. Il y a trois objets, un Dodan, aucun ne doit tomber. C'est impossible mec, surtout que tu les as mis dans le mauvais sens. Là je suis à 15, je vais le prendre moins vite que ça. Voilà, déjà. Un mort. Oh. 7 km/h. Oh. Et il a tenu. Bon bah là on les a mis à l'arrière parce que là il n'y a aucun rangement déjà. J'ai enlevé le mode sport. Merde. Pas mal. Cela dit, comme tu as mis les talkies bien positionnés, je veux bien te laisser ce point. Ah cool, ouais parce que quand même, gagner une épreuve de confort là-dedans... Ouais, non mais carrément. Attention, nouveau tirage. Attention, nouveau tirage. Attention, nouveau tirage. Ça veut dire quoi ça? Des trucs pour occuper les enfants, pas qu'ils te fassent chier. Ah ouais. Alors ça là-dessus, on peut en débattre, parce que je pense que ça peut être très vite réglé. Bah moi j'ai rien, à part un super toit panoramique avec des super lumières d'ambiance et la climatisation à l'arrière. Oui, et tu as la possibilité éventuellement de mettre... Oui, je peux connecter mon téléphone pour mettre diffuser des vidéos, la musique... etc. Donc effectivement ça peut quand même être attrayant pour des enfants. Effectivement. Dans ma Fiat, à vrai dire, j'ai pas forcément grand chose. Donc je crois que je perds ce défi. Mais je pense qu'il y a aucun enfant qui veut monter à l'intérieur. Ce serait juste la punition. Alors, nouveau tirage. Aïe. Alors, nouveau tirage.
J'ai gagné. Dérangement à balle, tu disposeras. Ouais. Et puis, ouais, c'est long. Je veux dire, là, il y a une bouteille de jus de pomme. Là, il y a une bouteille d'eau. Un bonbon. Qui est très bon d'ailleurs, je te le recommande très vivement. Alors, nouveau tirage. Un maximum de personnes, tu caseras. Il y a deux petits vieux qui passent derrière. Je l'ai peut-être dit un peu fort. Tant pis. On aurait pu. Hein. Non. Alors, nouveau tirage. Deux gros sacs dans le coffre, tu placeras. Il y a déjà nos deux sacs dans la voiture. Ça, on le filmera demain. D'accord. Parce qu'on devra mettre nos deux sacs dans nos deux véhicules respectifs. Ok. J'ai gagné. Tu as gagné. Il faut savoir admettre sa défaite, mais j'ai une deuxième carte à jouer. La vitesse ? Non, la voiture de demain. Ah oui, j'ai gagné quand même. Cool. Est-ce que je suis fatigué ? Prise aucune, la victoire est pour moi. Les mots du perdant ? Non, je m'en doutais. Alors, autrement dit, ça, très bien, ça... très nul. Mais si je devais juger en mode PDLV et pas en mode je veux un daily sympa qui consomme pas trop bien, et ben ça, super cool. Ah oui. Et ça, bah en vrai ça va, non? Ouais, ça... ça va. Maintenant, j'ai ma deuxième carte à jouer demain et je crois que tu vas être séduit parce que là, on conjugue le meilleur des deux. C'est-à-dire l'insolence avec l'insolence? Oui, c'est ça. Super. Je suis content. Oui, parce que tu ne connais pas le modèle en question. Absolument. Mm. Ça y est les gars, là c'est le dernier jour avec l'Abarth et le 3008. Donc là, comme vous pouvez le voir, le coffre est bien rempli, il y a toutes nos affaires. Oui. Et il en faudrait pas plus, hein, franchement. Ça pourrait difficilement être... ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va aller rendre le 3008. Ouais. Après on va aller rendre l'Abarth. Ouais, c'est ça. Et on va aller récupérer ce qui, à mon sens, serait le daily parfait. Donc la combinaison parfaite des deux. Voilà, c'est ça. D'accord, bon. Bah je reste... hein? Je reste... je reste... Bon bah là, il y a... mon petit bébé qui s'en va. Il est beau quand même. Hein. Franchement, il est beau. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Ça là-dessus. Mais il a pas la sonorité de cette chère Abarth. Ah bah non. Par contre, le GPS, non, c'est pas. Non, mais c'est bizarre. C'est parti. Ouais, c'est parti. Hop, tac. C'est parti. Ok, on est parti. Qu'est-ce que tu sais de cette voiture? Je sais qu'elle fait environ 300 chevaux. Et je sais aussi qu'il fallait que j'avais pas le droit de mettre mon pull Mercedes ce matin. Alors là, du coup, on est au parc presse FCA Automobile, donc Fiat, Jeep, Lancia, etc. Et on a fait la rencontre de Steve, qui est juste ici. Enchanté. Et qui est donc blogueur pour Test and Driving. Test and Driving, tout à fait, oui. Et du coup, il nous a très gentiment proposé de nous accompagner jusqu'au prochain parc presse. Avec une voiture qui vient de récupérer. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, tu viens de récupérer cette voiture pour ton blog. Oui, tout à fait. Bah écoute, je la découvre comme toi, donc j'ai demandé au groupe FCA de me prêter une Jeep Compass. Alors les produits Jeep, hein, je les ai jamais testés, c'est la première fois. Je suis hyper content parce que j'entends beaucoup parler en ce moment des SUV de cette gamme. Et on parle beaucoup du 3008, mm-hmm. Et on dit que le Compass, bah, c'est un concurrent, mais qu'il n'est pas à la hauteur, donc bah, je voudrais le vérifier. Bah, tu nous diras ce que tu en as pensé après. Bah, tout à fait, je ne manquerai pas de vous faire un lien, parce que moi, je pense que ce véhicule, finalement, on n'a pas les mêmes attentes entre une 3008 mm-hmm. et un Compass. Là, c'est vraiment, je pense, une voiture plaisir, on peut faire beaucoup de choses, et je vais tenter de le faire découvrir aux internautes via une vidéo. Et bah, très très bien. Là, on est à quelques minutes seulement du parc presse mystère. Bah, merci encore hein, de nous avoir emmené jusqu'ici. Sinon, très sympa ce Jeep Compass. Hein. Très très sympa. Ouais, vraiment très agréable. Très confortable. Par rapport aux 3008, qu'est-ce qu'on dit? C'est assez similaire. L'assise est aussi confortable. Ouais. Je suis tout aussi à l'aise. Ouais, on peut le repasser là-bas. Bon bah, les gars, allez, merci les gars. Beaucoup. Bloguez bien. Ciao. À toi aussi, salut. On quitte donc la Jeep Compass pour, surprise, une Volkswagen. Bon. Tu y as cru? Hein? Tu y as cru? Comment ça? C'est pas Volkswagen? Non, pas du tout. Ah merde, c'est pas Volkswagen? C'est quoi? Tu verras, faut qu'on aille au numéro 100. C'est pas Volkswagen? Oh le fail! On vient de passer devant chez Kia, il me dit allez viens on rentre. Du coup moi, ah on va avoir une Kia, d'accord. Mais en fait pas du tout. Merde. Mais cette avenue gigantesque. Le 96, je rappelle que le parc presse est au numéro 100. 98, oh mon dieu. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, il y a strictement rien de marqué. Voilà, on est arrivé au numéro 100. Bon, ok, super. Alors, dans le prochain épisode, on récupère la nouvelle voiture. Et en fait, c'est tout, quoi. Je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Parce que c'est encore un secret. Écoute ça. Mais par contre, vous pouvez quand même vous abonner. Comme ça, vous serez les premiers à voir directement quand la vidéo sortira. Et voilà. Par contre, je peux vous donner un indice. Elle est bleue. Voilà. Si jamais vous voulez fouiller un peu, elle est bleue.